Mes chers amis, mes chers parents, Martinez Zogo est mort. J'étais en train de manger un foutou à la sauce graine et puis je me suis posé une question. Où est mon grand ami Steve Farr, l'influenceur des influenceurs du Cameroun? Steve Farr, l'histoire est traite. Et moi, mes amitiés, j'aime quand les choses sont claires et nettes. Tu ne peux pas être au Cameroun. Toi qui me dis à longueur de journée, mon frère, j'aime mon pays. Le meurtre le plus barbare se produit dans ton pays. Un voyou, un bandit, un maudit est dans la nature. Il a perpétué un assassinat. Un journaliste est mort. Et toi, la voix des 100 voix, tu es porté disparu. Stifa, ton mot diable placable pour commencer d'abord. Tu sais, mes amitiés sont des amitiés qui finissent très vite. Quand surtout je ne vois pas d'homme courageux, je te donne 48 heures. Je ne sais pas où tu es. Mais si dans les 48 heures qui passent, Steve, tu ne sors pas de ton tour de rat pour venir nous dire où tu es. Champion, considère que toi et moi, notre amitié vient de prendre fin. Hier par hier, mon grand-père me disait toujours, l'histoire ne retient que les hommes courageux. Steve, tu es où? 3 minutes du peuple n'existe plus. Steve, tu es où? Taguez Steve Farr et dites oui. Dans l'histoire de Martinez Zogo, on veut entendre quelle est sa prise de position de façon claire et de façon nette. À bon entendeur, salut. La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre.